Bienvenue dans ce tutoriel de formation où je vous apprends comment créer ces certificats de remerciement que vous avez vus au démarrage. Pour ce faire, la première des choses, nous venons sur la mise en page. Et pourquoi mise en page? Parce que nous avons besoin que notre page qui est verticale soit amenée à la disposition horizontale. Alors il suffit tout simplement de venir au niveau d'orientation et puis choisir l'orientation paysage. Je clique et automatiquement ma page me donne cette disposition. Vous voyez? Donc vous pouvez zoomer votre page et voilà. Donc nous avons un papier à la disposition paysage. Alors c'est pas tout, ce n'est que le début du travail et l'étape suivante à faire c'est quoi? C'est de chercher à mettre quelques emphases partant de votre travail. Ok? Alors partant de notre travail, qu'est-ce que nous allons faire? Nous diminuons d'abord cet élément ici. Nous venons au niveau de l'insertion et puis forme. Et puis je viens ici, regardez ce que je veux faire. Je vais récupérer cet élément ici, double vague. Je clique et puis je vais positionner l'élément à sa place. Et puis je le rote tout petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je le ramène dans ce coin. Vous voyez? Voilà ce que nous venons de faire en premier. Alors, dès lors que ceci est... Alors, je l'ai grandi. Et quand ceci est fait, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est lui donner les couleurs que vous préférez qu'il puisse porter. Alors, avant de mettre la couleur, je vais d'abord zoomer davantage. Je vois une petite ligne que je ne veux pas. Je vais au niveau des contours. J'enlève d'abord la ligne. Et j'ai mes vagues. Alors, je lui donne la couleur que je veux qu'il puisse avoir. Et c'est quelle couleur? Je viens au niveau des couleurs de remplissage. Je vais lui donner cette couleur ici, sur bleu foncé. Ok? Dès lorsque je lui donne la couleur bleu foncé, et je duplique l'élément à nouveau. Vous voyez? Et je le mets un peu au-dessus. Et je vais au niveau du format. Je lui donne une autre couleur. Vous voyez? Couleur bleue. Et ce n'est plus bleu foncé. Et c'est juste la couleur bleue. Et c'est pas tout. Je les remets encore là-bas. Je duplique encore l'élément. Vous voyez? Il est là, donc j'ai un autre élément. Je lui donne une autre couleur. Je crois que cette fois-ci, c'est la couleur dorée. Ok? Je mets encore là-bas. Retenez toutes les étapes. Et non seulement ça, je duplique encore l'élément. Vous voyez? Je le mets là-bas. Sa sélection est là. Et je lui donne encore une très très bonne emphase que j'estime être aussi importante. Et voilà, je retourne à notre blé du départ. Voilà un peu tout ce que nous venons de faire déjà avec ce travail. Et automatiquement, nous avons combien? 4 éléments. Je peux toutefois les foncer ou sinon les diminuer. Et voilà, donc c'est déjà un grand pas dans l'exécution de cet ouvrage. Bien, alors, je peux toutefois faire ceci. Si par exemple j'en ai besoin, je rote tout petit peu. Vous voyez? Et puis je fais entrer là-bas. En termes aiguisés, voilà. Donc j'ai la partie fine ici et minime, et de l'autre côté j'ai la partie la plus grande. Alors je sélectionne tous les objets tels que vous les voyez. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 points, 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord diminuer la page et les ramener de ce côté ici, ça va. Et j'ai résume à nouveau, et puis je les ramène comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau des formats. Et puis, je viens roter les éléments en question. Alors, nous, on ne voulait pas que tout ça soit comme ça. Alors, on va tenter. Ok? La première des choses, on tente un peu si ça peut se grouper. Et quelquefois, ça pose problème. Voilà. Ça se groupe au moins. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On peut toutefois les router par la suite en tenant compte du portion. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? Nous le faisons sortir tout petit peu. Et voilà. Nous les amenons jusqu'ici.
Et voilà, donc nous avons un travail déjà bien élaboré, bien mis en place. Nous avons déjà nos éléments de base. Et ceci va toutefois nous permettre à évoluer doucement, sagement et promptement. Alors l'étape suivante, c'est de venir ici, venir récupérer ces formes ici, okay, ces cadres, et que je vais mettre directement à la place. Et lorsque je le mets, automatiquement je le diminue, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je fais. Et lorsque je le diminue, je lui donne directement la couleur en or que je préférerais et lui donner, n'est-ce pas? Et, ou sinon, alors je vais au niveau des dégradés. Ok? Je viens dégrader et je prends un dégradé en or. Dégradé en or. Et je trouve que ça peut toutefois faire l'affaire. Et par la suite, et je viens couleur de contour est là. Je viens où contour. Voilà. Et puis j'ajoute un peu le plus. Je vois. En tout cas, nous constatons. Hein. Et puis nous travaillons ensemble. Et de lorsqu'il est fait de cette manière-là, et qu'est-ce qu'il faut par la suite? Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est de lui ramener en arrière-plan. OK. Et en arrière-plan. Dès lorsque nous la mettons en arrière-plan, vous voyez ce que ça donne. Ça donne un truc de très beau, de très joli, et de très brillant, n'est-ce pas? Et dès lorsque nous avons un truc de très brillant comme ça, c'est déjà un grand pas de notre travail. Et par la suite, je peux toutefois déjà mettre les textes et d'autres éléments plus importants. Alors, je reviens au niveau du travail, je viens rapidement ici, je mets les textes, puis je pose. On a dit que c'est un certificat de remerciement. Certificat. Certificat. Nous écrivons certificat. Et puis, police. Nous venons ici. Nous mettons un truc de grand et de gros. Et certificat, il est là. Voilà, nous le laissons trop d'ailleurs. Et puis, et voilà. Et nous arrangeons les choses à leur place. Et puis, nous disposons les choses en clair. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est diminuer, n'est-ce pas? Certificat de remerciement. Voilà, on va corriger. Majuscule et Shift F3 que nous avons mis là-bas. Et voilà, on va tenter de faire les choses autrement cette fois-ci. Donc, il est là, nous l'avons. Au moins réussi selon la petite pensée qu'on avait. Alors, l'étape suivante, c'est de venir au niveau de l'insertion et puis récupérer une autre forme. Cette forme ici. Voilà, retenez ça. Droite à entraille. Flèche, droite à entraille. Je vais poser ça ici. Il est là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je fais au niveau du contour. J'enlève d'abord le contour en question. Et je n'ai pas besoin de cette partie ici. Ok, je n'ai pas besoin de ça. Regarde, quand je fais ça, c'est la flèche. Et quand je fais ça, vous voyez, j'augmente l'élément. Vous avez vu? Voilà, j'ai la range, puis j'ai diminué. C'est comme ça que j'ai levé. Et puis par la suite, qu'est-ce que je fais? J'ai diminué. Et la hauteur de la chose, j'illumine de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? J'arrange l'objet. Je duplique l'objet. Et puis, je contourne l'objet. Vous voyez ce que je fais? Et puis, je vais coller l'objet. Et à ce moment-ci, je respecte les portions. Et voilà, j'ai un tic de bon. Et je peux sélectionner l'élément et puis les grouper. Et qu'est-ce que je fais? Je l'arrange quelque part ici. Et puis, je récupère les textes. Et puis ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous l'amenons ici à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On double-clique, on enlève tout ça. Voilà, nous sommes fiers de l'attribut A. Ici,
vais en prendre cet objet. Déposons une bonne ligne. Et puis, nous l'augmentons tout petit peu. Et ici, nous écrivons. Bon, et constamment, candidat. Et voilà, nous postons du candidat. Et puis, ici, mettons du faux texte. Et puis, nous venons à l'insertion. Puis, nous prenons un autre élément. À ce moment-là, nous posons ici. Et voilà. Venons ici, nous écrivons par exemple signature. Mettons là-bas. Ici, nous écrivons date. Et voilà. Et c'est pas tout. On va mettre un logo ici. Et voilà. Et quelque chose ici. Et nous venons poser un élément détail peut faire vraiment l'affaire et la différence. On peut toutefois les mettre ici. Voilà, on peut mettre là-bas. On peut même le dupliquer à deux. Et rien n'est mauvais. Et puis, bon, trois c'est trop. Hein. Voilà, deux c'est mieux. Et voilà. Dans les extrémités. Et vous pouvez soit mettre un texte de votre choix, aussi là à l'intérieur, un texte de choix par exemple, excellent, voilà, nous écrivons excellent. Et ici, nous prenons l'emphase de la couleur. Et voilà, nous amenons encore ici. Excellent. Et voilà. Voilà un peu et notre brevet, notre certificat de remerciement que nous venons de réaliser ensemble avec vous. Et vous pouvez l'apprécier, aimer et faire un bon usage. Et nous vous disons à la prochaine. Merci.